Alors, d'un point de vue général, c'est très vite que se dessine ce qui sera affirmé, qui repose aujourd'hui, enfin, qu'on peut constater aujourd'hui parce que toute une série de documents ont été déclassifiés, ce qui est affirmé à partir de la guerre elle-même et définitivement entre avril et juin 1948, c'est-à-dire une stratégie qui n'est pas du tout une stratégie d'endiguement. Vous savez qu'on nous a raconté pendant longtemps que les démocrates avaient pratiqué le containment, l'endiguement des appétits soviétiques qui voulaient, l'Union soviétique étant supposée vouloir submerger l'Europe occidentale. Hein. Donc, ça, c'est une légende, car la stratégie de refoulement a été, et non pas d'endiguement, la stratégie de refoulement a été pratiquée dès 1944-1945 et officialisée sous l'égide du département d'État, de la CIA et des ministères militaires en 1948 sous l'égide de deux personnalités, je dois dire, fort intéressantes. George Kennan, vous le savez, ce diplomate qui a changé un peu, qui semble avoir changé d'avis comme de chemise, puisque des années 1930 jusqu'à sa retraite, il a passé à peu près son temps à organiser le combat contre la Russie. Et puis, à partir de sa retraite, il a commencé à être plus raisonnable, faire des conférences pour dire qu'il n'avait raconté que des sottises quand il était en activité. Mais vous savez que c'est un trait auquel cèdent un certain nombre de personnalités d'importance une fois qu'elles ont pris leur retraite. Et donc, Kennan, vous le savez, a compté dans les années 1990 parmi ceux qui ont dit qu'il était absolument aberrant d'envisager pour les États-Unis une expansion via l'Europe de l'Est, une expansion vers la Russie. Hein, ça a été un des principaux porte-parole à partir des années 1990, parce qu'il est mort très vieux, il a dû mourir en 1998, je crois, qui ont dit qu'il n'était pas question de contraindre la Russie à se défendre. Oui, mais ça n'est pas exactement ce qu'il avait pratiqué. Encore que je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu des étapes dans sa vie. En tout cas, en juin 1948, auprès d'un autre individu qui s'appelle Frank Wisner, et qui était lui tellement anti-bolchevique que ça l'a rendu fou, le malheureux, il a même fini par se suicider en 1965 en pensant que les soviets allaient traverser tel pont de New York pour venir l'attaquer. Bon, je ne plaisante pas. Les deux sont à la tête d'un organisme qui est destiné non seulement à faire tomber la zone d'influence soviétique, mais l'Union soviétique elle-même. J'y reviendrai éventuellement. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, ça ne pose plus problème parce que les historiens les plus anti-russes et les plus anti-soviétiques reconnaissent aisément que l'objectif n'était pas du tout d'arrêter la Russie, de la contenir, etc., que c'était de faire tomber le pouvoir bolchevique et d'affaiblir la Russie, évidemment, par conséquent. Dans le cadre général, mais aussi dans le cadre ukrainien particulier, il est intéressant pour les États-Unis d'avoir du monde sur place. Et quel monde sur place peuvent-ils compter? Eh bien, ma foi, sur les bandéristes. Restez sur place. Voilà. Et avec qui? Avec le Vatican. C'est-à-dire le Vatican, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais qui avait beaucoup servi aux États-Unis
surtout depuis après 1914. Mais beaucoup. Vous pourrez trouver tous les détails dans mon ouvrage sur le Vatican, l'Europe et le Reich. Donc le Vatican déteste les États-Unis, mais les États-Unis, c'est quand même la manne, c'est l'argent. Ça a commencé depuis les années 1920. Comme disaient les diplomates français, les Américains déversent des liasses de dollars sur le Vatican. C'était vrai d'ailleurs, on suivait ça de très près. Et là, il s'agit d'utiliser l'argent américain pour la conquête de l'Ukraine. Mais comment ? L'argent, c'est une chose, mais les moyens. Alors, d'abord, l'appareil de l'Église. J'ai montré dans mes travaux que de 1945 à 1955, l'essentiel de l'activité du Vatican a été consacré à l'exfiltration, sauvetage des criminels de guerre. C'est pas, je l'ai dit, mais enfin, je ne suis pas original. Il y a toute une série d'excellents chercheurs qui ont montré ça pour des pays différents et nous sommes tous d'accord sur l'affaire. Et les criminels ukrainiens, évidemment, c'est un élément essentiel. Mais comment les joindre ? Alors on me dirait, on s'était rencontrés à partir de 1944, ces messieurs étaient en particulier à Munich, c'est les États-Unis d'ailleurs qui fournissent à Bandera ces faux papiers, des faux papiers qui en font même une victime de camp de concentration. Il aurait été en camp de concentration de 1941 à 1945, à Mauthausen même. Tiens. Bien. Mais il faut organiser les choses sur le terrain, en Ukraine. Via qui ? Via les Allemands, qui connaissent si bien ces Ukrainiens bandéristes, si bien. Et par qui va-t-on passer notamment ? Je n'en vais citer qu'un, mais que vous connaissez peut-être. Eh bien, par celui qui a rendu tant de services à tant de monde, c'est-à-dire Reinhard Gehlen, le général nazi. Alors là, lui, vous me direz, quand il n'était pas nazi, c'est quelquefois qu'il trouvait les nazis gauchistes, mais à l'origine, oui, c'est vrai. Mais les choses s'étaient arrangées, et donc Gehlen, vous le savez, a été à la tête de l'armée de l'Est. C'est-à-dire que c'est l'organisateur en chef du martyre des prisonniers de guerre soviétiques et du renseignement sur l'Union soviétique et de l'organisation des collaborateurs soviétiques avec l'armée dite Vlasov, organisée à partir de 1943. Donc, qui connaît mieux l'Union soviétique et peut aider à la détruire que Gehlen ? Personne. Et Gehlen, qui est un petit malin, s'en va, comme beaucoup de ses pairs, vers... c'est un peu délicat d'ailleurs de quitter Berlin. S'en va vers la Bavière, en mai 45, avec ses petites valises de documents. Et dès mai 1945, il se présente aux Américains qui l'embauchent sur le champ et qui vont lui confier, près de Munich, à Pullach, eh bien, ma foi, la charge de mener à la fois l'espionnage contre les Soviétiques, notamment en Ukraine, qu'il connaît particulièrement bien, puisque vous savez que l'Ukraine est quand même un des éléments essentiels de la zone occupée par les Allemands de 1941 à 1944. Donc, Gehlen, qui contrôle tout, qui est embauché comme responsable des services secrets, à la fois pour s'occuper de l'Union soviétique et des communistes allemands, parce qu'on fait, hein, on s'arrange toujours pour faire double utilité, et avec qui il va faire ça ? Eh bien, avec tous ceux qui l'ont accompagné dans l'occupation de l'Ukraine, dans l'occupation de l'Union soviétique. Ils sont tous à des degrés importants, à des niveaux importants de hiérarchie dans son organisation Gehlen, qui donne satisfaction à tout le monde, puisque, vous le savez,
à partir de la constitution de la République fédérale d'Allemagne, Adenauer fait de Gehlen le chef du BND, qui porte toujours ce titre, hein, c'est-à-dire du service de renseignement allemand. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Eh bien, ma foi, ils s'occupent de l'Ukraine. Ils s'occupent de l'Ukraine avec l'argent américain. Écoutez, sur le recrutement, ça n'est pas compliqué. Nous avons un chef, alors c'est un chef particulièrement intéressant, parce que c'est un chef de la CIA qui a raconté des choses, mais de manière tout à fait loyale. Vous voyez, c'est pas le lanceur d'alerte jusqu'au bout, enfin, c'est pas le lanceur d'alerte du tout. C'est un responsable américain qui a été en poste en Bavière dès 1945, qui s'appelait Harry Rositzke, et qui est resté fidèle à la CIA toute sa vie. Hein. Mais alors, voilà ce qu'il racontait dans une interview de 1985. Je le cite, hein, et ne m'imputez pas la citation. Alors, il disait quel était le critère de recrutement à Munich, hein, pour diriger les opérations secrètes à l'intérieur de l'URSS. Nous savions parfaitement ce que nous faisions. La base du boulot, c'est une traduction littérale, hein, the job, la base du boulot était de se servir de n'importe quelle ordure du moment qu'elle était anticommuniste. Ce qui a été fait, bien sûr, le tout avec l'aide du Vatican, qui a aidé avec les États-Unis à évacuer, alors, à évacuer les banderistes assassins, qui, vous vous en doutez, ne sont pas allés en zone soviétique occupée d'Allemagne, mais exclusivement dans les zones anglaises et américaines. Et vous le savez peut-être, qui ont été sauvés de manière extrêmement astucieuse, comment donc ? En étant considérés par les Américains comme par les Anglais, comme Polonais, puisque c'était les Ukrainiens de Lvov. Et comme ils étaient Polonais, eh bien, ils n'étaient pas soviétiques. Et comme ils n'étaient pas soviétiques, il était absolument hors de question de les livrer aux Soviétiques qui en réclamaient la livraison pour pouvoir les livrer au châtiment de la justice. Voilà. Tout ça nous a fait des dizaines de milliers de fugitifs protégés par les Occidentaux qui sont allés se répandre, vous le savez, avec les conséquences visibles aujourd'hui, aux États-Unis, en violation de toutes les lois régissant le ministère de la Justice, avec l'assentiment du ministère du secrétariat à la justice, n'est-ce pas ? Il était, vous voyez, c'est sympathique, il était interdit de faire immigrer des nazis aux États-Unis. Bon, voilà une idée. Donc, le secrétariat à la justice a tout délivré comme autorisation. Ça nous fait des dizaines de milliers de nazis ukrainiens, et d'ailleurs, d'abord, pas seulement ukrainiens, hein. Biélorusses, Slovaques, enfin bref, toute l'Europe de l'Est défile. Hein. Et tout ça a été utilisé, est arrivé, vous le savez, a été encensé aux États-Unis. Pensez au cas de Liebed, n'est-ce pas, grand défenseur de la démocratie américaine, qui a même sur un tard découvert que les Soviétiques étaient antisémites. Mais pas lui. N'est-ce pas, les Soviétiques seulement. Je vous renvoie à cet égard au très intéressant ouvrage de Breitman et Goda, qui en anglais s'appelait Hitler's Shadow, et qui a été, je crois, récemment, pas je crois, qui a été récemment traduit, qui s'appelle À l'ombre d'Hitler. Vous verrez, c'est dévastateur. C'est d'autant plus. Je vous recommande le chapitre 5 sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Puisque j'ai dépassé un petit peu de mon temps, je vais arrêter pour vous laisser intervenir. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, ma foi, il en ressort que
de 1945 à 1990, ils s'arrêtent en 90. Hein. La réalité historique ne s'arrêtant pas, mais eux, ils s'arrêtent. Eh bien, les États-Unis ont passé leur temps à lancer des opérations en Ukraine avec les Allemands, avec les bandéristes, faire sauter des usines, brûler des récoltes, etc. Tout ça, vous direz, c'est de l'intoxication. Ben non, 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 pas du tout. Malheureusement, les opérations militaires sont interdites. Vous savez que des opérations militaires lancées depuis 1948, on ne connaît qu'un tout petit bout, toute une série d'incursions en Albanie qui se sont traduites par l'arrestation de tout ce beau monde et l'exécution des intervenants. Sinon, à la date actuelle, aucune des opérations militaires multiples des États-Unis en Europe orientale et notamment en Ukraine, ne sont déclassifiés. Bien. Alors, nous, on était arrivés entre les années 50 et 1990 à une véritable incursion américaine en Ukraine via les bandéristes, via le Vatican, bien sûr, et via les Allemands, via le BND, de telle sorte que, je vais donner juste un exemple avant presque de m'arrêter, Zbigniew Brzezinski, que tout le monde connaît ici, et vous le savez d'ailleurs, qui a simplement donné une espèce d'aura particulière au plan américain, hein, au projet américain. C'est pas Brzezinski, le plan qui consiste à casser l'Europe en morceaux et écraser au maximum la Russie. Hein. Brzezinski, c'est intéressant d'ailleurs, c'est un produit type de la Pologne traditionnelle. Père diplomate dans la Pologne des colonels, émigré aux États-Unis, avec toutes les caractéristiques, hein, antisémite, voilà, et qui élève son fils, ma foi, dans la, comme il a lui-même été formé, et qui fait de Brzezinski une espèce de symbole des ambitions polonaises devenues américaines, puisque vous le savez, il est naturalisé américain, et c'est lui qui explique qu'il faut réduire la Russie à pas grand-chose, et l'Europe a des confettis, ce qui évitera que ne se dresse la moindre puissance capable de concurrencer les États-Unis et qui laissera les États-Unis en position, dans cette position d'hégémonie totale qui a été revendiquée, il faut bien le dire aussi, largement réalisé depuis les accords de Bretton Woods de juillet 1944, qui sont au cœur d'ailleurs de l'ouvrage d'un ouvrage qui va être publié cet automne. Autrement dit, lorsque en 1990-91, Madame Nuland, vous savez la cantinière de Maïdan, la distributrice des petits pains et la conférencière qui expliquait en 2013 et 2014, avant Maïdan, qu'il était absolument indispensable de retirer sa puissance énergétique à la Russie et surtout de la faire faire sortir cette puissance énergétique de l'Ukraine, parce que les majors américaines remplaceraient très avantageusement le pétrole russe. Eh bien, avant que Madame Nuland ne s'installât aux affaires aux États-Unis, ce qu'elle a fait de manière continue, sauf, vous le savez, à l'époque de Trump, qu'elle n'aimait pas. Donc,
avant, juste avant que Madame Nuland ne vint recueillir l'héritage des années que décrivent Godard et Brightman, les États-Unis avaient réussi leur défi, avaient remporté le défi lancé en Ukraine. Il n'est depuis 1991, nous voyons se dérouler les conséquences d'une action continue. Avant, certes, 1944, mais doté de moyens gigantesques depuis 1944, afin que les États-Unis puissent se présenter comme le véritable héritier au contrôle de l'Ukraine. Je terminerai, évidemment, et ce qui ouvre la discussion sur le présent, mais moi je n'ai pas tellement de compétences sur le présent, je terminerai simplement en indiquant, on s'en doute, que aucune des rivalités des puissances ayant des prétentions sur l'Ukraine n'est résolue. C'est-à-dire que personne ne doute que l'Allemagne n'ait en Ukraine pas les mêmes objectifs que les États-Unis. Il n'empêche que, alors qu'on nous explique que les Russes rêvent de conquérir l'Europe entière, la réalité historique nous dresse un autre portrait dont nous aurons l'occasion de discuter maintenant. Vous voyez, il y a deux choses différentes. Il y a évidemment ce à quoi nous sommes confrontés depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis février 2022, c'est-à-dire ce que j'apparentais tout à l'heure au bourrage de crâne de 1914, dont il existe évidemment des exemples très divers, et celui de 39-40 en France ou ailleurs, évidemment, n'a pas été inférieur. Il y a deux choses différentes. Moi, ce que j'ai découvert sur l'Ukraine, si vous voulez, c'est le travail sur archives qu'on vous enlève pas comme ça quand vous travaillez sur le 19e. Si je veux aller travailler sur la nouvelle série 1898-1918, jusqu'à nouvel ordre, personne ne me l'arrache. Et c'est là, par exemple, qu'on trouve, j'ai dit 1898-1920. C'est là, par exemple, qu'on trouve trace du financement allemand du mouvement dit autonomiste ukrainien. Il n'y a jamais eu d'autonomie ukrainienne, en réalité. Hein? Et tout ce que j'ai dit là, qui s'appuie soit sur des recherches directes, soit pour une grande part sur des recherches de collègues, c'est, si vous voulez, ce sont des choses que nous avons dans les sources, et il faut distinguer deux choses. Je vais vous donner l'exemple avec Rosolinski Liebe. Le très honnête Rosolinski Liebe ne pouvait pas déjà, en 2012, faire de conférences en Ukraine. C'était avant Maïdan, mais les forces qui ont pris le pouvoir à Maïdan, évidemment, étaient là, sans doute, ça fait un bon moment qu'elles sont là. Et il devait faire toute une série de conférences pour présenter ses recherches, parce qu'il a fait évidemment des recherches avant la publication de sa thèse de 2014, et il n'a pas pu les faire. C'est bien simple, c'est amusant, si on compare à la situation actuelle, il a pu faire une conférence à l'ambassade allemande à Kiev. Il ne risquerait pas de la faire aujourd'hui. Hein. Après, il a été menacé. Enfin, il était hors de question. D'ailleurs, la conférence, il n'y a eu personne parce que ces gens s'étaient arrangés pour qu'il n'y ait personne. Mais il y a deux choses différentes. Il y a la rétention actuelle d'informations. Ça, on l'a connu. On la connaît depuis février 2022, hein, puisque toute une série d'éléments électroniques nous sont interdits. Et puis, il y a les conditions de recherche des historiens
qui ne porte pas, je dirais, qui ne porte pas à conséquence, puisque vous le savez, ce qui est aujourd'hui appelé à faire des conférences, à passer à la télévision, faire des articles dans Le Monde, ce sont des gens, une série de spécialistes dont je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler, ce sont des gens disent ce qui convient aux puissants du jour, et par conséquent, ça durera ce que ça durera. Demain, ils ne seront plus rien. La question qui est posée aujourd'hui, c'est celle de l'existence d'un minimum d'informations. Mais jusqu'à nouvel ordre, le nouvel ordre va peut-être arriver. Hein ? On peut travailler dans les archives. Hein ? Si vous avez si peu de travaux, ça nous amènerait à un autre débat. C'est parce qu'il est devenu nettement moins avantageux ces dernières décennies d'aller dans les archives et de dire ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une question qui s'inscrit d'ailleurs dans la non-information. Hein ? Pourquoi peut-on abrutir les populations en leur racontant que parler de nazis en Ukraine, ça relève de la fantaisie, précisément parce que on a mené une action de destruction de l'histoire ou d'impossibilité pour l'histoire de développer ses conclusions dans le champ quotidien. Mais vous voyez qu'on a là deux éléments différents. Oui, on peut faire de la recherche encore. Personne n'est empêché d'aller regarder les sources. Alors, mes étudiantes, parce que j'ai été prof du secondaire, j'ai été 13 ans prof du secondaire, et 26 ans prof du supérieur. Et mes élèves du secondaire, vous savez, c'était une autre époque, j'ai été prof du secondaire entre 72 et 84, 85. Et c'était une époque où, malgré évidemment les contraintes, on pouvait faire de l'histoire correctement en France dans le secondaire. D'abord, on était protégé par le statut. Moi, j'étais dans un lycée de banlieue plutôt chic. Je n'ai jamais eu une réflexion de qui que ce soit. Et vous savez, je préparais ma thèse d'État. Je faisais à mes élèves une histoire qui n'était quand même pas l'histoire qu'on lit tous les jours, mais il existait des manuels corrects. De 80 à 83, où j'exerçais encore dans le secondaire, il a existé un très bon manuel, très honnête. Ça a duré 3 ans. Hein, qui est je vous recommande son achat sur Internet d'occasion. Bon, parce qu'il est mort, ce manuel, hein, 80-83. C'était vraiment un bijou. C'est bien simple, moi, dans mon lycée, j'étais à Amiens. Dans mon lycée, on a été unanime pour choisir le manuel. Je vous dis, 3 ans de bonheur. Bon. Mais bien sûr, quand vous faites de l'histoire de manière objective, documentée, moi, on n'a jamais pu m'attaquer sur la documentation. Hein. Vous êtes tranquille. Alors, je dirais que quand mes étudiants gagnaient en... D'abord, les choses avaient changé. Et puis, par exemple, quand j'ai été à Paris 7, de 97 à 2010, les choses s'étaient beaucoup dégradées par rapport au secondaire que j'avais connu. Et je dois dire que je choquais beaucoup mes étudiants la première année. Quand je leur expliquais 1914, comme ils regardent trop la télé, ou qu'après ils ont regardé trop les écrans, oui, vous voyez. Mais heureusement, quand j'étais prof du supérieur, l'enseignant disposait encore de la liberté pédagogique nécessaire. Je ferai un distinguo. Moi, j'ai été universitaire. Et l'institution que je considère comme ayant malheureusement gagné par ses méthodes son autorité, le pouvoir que lui a conféré l'État, c'est-à-dire l'Institut d'études politiques, ce qu'on appelle couramment Sciences Po, a tellement envahi l'histoire que
ce que je vous raconte serait un peu... Enfin, l'histoire que je faisais était inenvisageable à Sciences Po. D'ailleurs, une collègue, une charmante collègue m'avait dit, parce que mes étudiants me demandaient, vous savez, Sciences Po, c'est à la mode depuis je ne sais pas combien de temps, et mes étudiants me demandaient des certificats, si je puis dire, pour les soutenir à Sciences Po. Et je leur disais, mais mes pauvres, ne venez surtout pas avec un certificat signé par moi, avec une recommandation, parce que vous n'aurez rien. Et une collègue me dit un jour, un de mes étudiants m'avait tellement supplié, j'avais fini par faire un papier. Et une de mes collègues, qui était très amie avec la mère de cet étudiant, me dit un ou deux ans plus tard, « Ah, écoute, Annie, hein, toi, quand tu donnes une recommandation à Sciences Po, on peut être sûr que ça va être tout à fait funeste ou recommandé. Bon. » Voilà. Je n'aurais pas... De toute façon, je n'aurais pas été recrutée à Sciences Po. La question ne se pose pas. Mais l'histoire qu'on enseigne à Sciences Po n'est pas cette histoire-là, parce que c'est une histoire sans source. C'est une histoire de communication. Le manuel d'histoire, c'est le manuel Bordas, dirigé par Jacques Bouillon, qui était un spécialiste du 19e siècle, un très honnête homme, qui était surtout prof de Cagne, ou je crois qu'il avait l'hippocagne d'Henri IV. Donc c'était un érudit, j'avais beaucoup d'admiration pour... Je le connais, je l'ai connu en plus, parce que j'ai... À l'époque où il était en fait le tuteur de la revue d'histoire moderne et contemporaine, j'y ai publié plusieurs articles. Après, ça s'est gâté. Il a été fichu à la porte et bon, j'ai fait des livres. Voilà. Ah ben, je vais vous signaler, un épisode. Il se trouve que en 2016. J'ai fait une conférence pour une université, comment ça s'appelle, une université à la Sorbonne, un séminaire qui s'inspire du marxisme et qui se réunit depuis des années, qui a été à l'origine d'ailleurs un séminaire de philosophie. Et il se trouve que pour cette association, j'ai fait en 2016, sur l'Ukraine, j'ai personnellement eu ma maille à partir avec les fascistes ukrainiens, parce que à partir de 2004-2005, j'ai envoyé à mes étudiants toute une série, quelques dizaines de pages de documents d'archives. Pas d'autre chose. Il figure d'ailleurs ces documents sur mon site, hein, à la rubrique documents originaux. Donc, il y avait une question sur la paix et la guerre en Europe, et j'avais, dans mes recherches, trouvé des documents extraordinaires sur la campagne, Vatican, Allemagne, Pologne, etc., sur la famine ukrainienne, la fameuse famine ukrainienne. Et donc, moi, j'avais envoyé des documents. Et une association ukrainienne m'est tombée dessus et a exigé d'ailleurs que je sois exclue d'université. Même le président du congrès ukrainien mondial, un antisémite célèbre, très célèbre, a exigé même que je sois rayée de l'éducation nationale. Et Chirac a demandé à un de ses délégués, qui est maintenant ambassadeur de je ne sais plus où, de recevoir le délégué de cette organisation. Bon, nous avons encore en France, c'est en voie de disparition, mais nous disposons du statut de la fonction publique de 1946. Il est très difficile, jusqu'à nouvel ordre, ça va peut-être venir, hein, est très difficile... d'évincer un professeur qui a une chaire. On a pu évincer Anne-Laure Bonnel d'un poste précaire,
On ne peut pas encore, ça va, je répète, hein, combien de temps ça durera, je n'en sais rien. Mais on dispose d'éléments de protection. Mais j'ai pensé que j'allais, enfin que je risquais gros, parce que j'avais un président d'université, médecin, ce qu'il était, je ne sais plus quelle spécialité, mais manifestement, je ne lui plaisais pas beaucoup. Donc il aurait été ravi de faire le ménage, mais il n'a pas pu. Voilà. Mais c'était en 2004. Ça fait près de 20 ans. C'était une association de pseudo-ukrainiens, ukrainiens depuis là. Voilà, des Uniades, bien sûr, je pense bien. C'était Ukraine 33 qui avait pour siège l'archevêché de Lyon. Bon, alors ces gens avaient demandé que je sois évincé de l'université. Mon président, tout à fait, c'est pour. Hein. Bon. Et puis en 2016, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette association. Qui traite d'économie, de philosophie, d'histoire, etc., me demande de faire une conférence sur l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, ça traîne en France depuis un bout de temps, hein, ce qui s'est passé à partir de Maïdan. Moi, j'avais alerté depuis 20 ans, mais en vain. Bon. Et donc, je fais cette conférence. L'ambassade ukrainienne avait délégué toute une cohorte qui a interrompu pendant 10 minutes, hein, puis ils ont renoncé. Mais oui, je présume, peut-être me font-ils l'honneur d'une mention quelque part. Je ne sais pas, je ne suis pas informée. C'est pas compliqué, vous avez tout le programme d'alors, donc des années 80, du deuxième cycle du secondaire, c'est-à-dire seconde, première, terminale. Alors, vous en avez 5 ou 6, il y en a un sur les origines du monde contemporain, de seconde, ils sont tous remarquables. Un sur 1848-1914, un sur 1914-1945, un sur le monde contemporain, 45, un peu plus loin. Ça n'est pas compliqué, vous regardez sur Internet, vous cherchez Histoire Jacques Bouillon et vous les trouverez tous. Et moi, j'avais dit à mes étudiants, écoutez, hein, achetez votre bréviaire Bernstein et Misa qui ne vaut pas un clou. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez, mais si vous voulez un manuel, il y a eu de très bons manuels du supérieur. Hein. Il y avait des collections formidables il y a 30 ans, 40 ans. Remarquables. Hein, chez de nombreux éditeurs. Ça n'existe plus. Et donc j'avais dit à mes étudiants, achetez votre bréviaire si vous voulez, mais si vous voulez un manuel solide, achetez le Bouillon. Alors bien sûr, il a 40 ans. Hein, et il n'est pas du tout au fait de toutes les recherches depuis 40 ans, mais c'était un manuel du secondaire qui, ça n'était jamais arrivé, si vous voulez, s'appuyait sur la recherche, c'est-à-dire que vous aviez une page, sur la page père, vous aviez le texte de la leçon, des grandes leçons, hein, et sur la page impair, vous aviez des documents. On n'avait jamais vu ça. Nous, dans nos manuels, moi, quand j'étais lycéenne, vous aviez une grande leçon, puis un petit rikiki de trois textes ridicules. Oui, écoutez, ça me frappe beaucoup, parce que j'ai travaillé beaucoup sur la Pologne de l'entre-deux-guerres. J'ai fait plusieurs articles, il y en a qui ont été publiés dans des revues allemandes. D'ailleurs, ils n'ont pas été traduits. Voilà. Je suis comme ce remarquable agent de renseignement dont disposait le Quai d'Orsay dans l'entre-deux-guerres, quelqu'un dont le
J'ai oublié son nom, d'ailleurs, je me rappelle que de son surnom, il s'appelait Nak. T'es d'origine serbe, je crois. Et je raconte, je crois que c'est dans le Vatican, l'Europe et le Reich, ce rapport. Alors, il avait fait des rapports extraordinaires dans l'entre-deux-guerres sur la Serbie, sur la Yougoslavie, extraordinaire. D'ailleurs, je signale que mon ouvrage n'a été traduit que dans une langue étrangère, le serbo-croate. Parce que j'y avais montré ce que la malheureuse Yougoslavie avait subi de la part du Vatican. Manifestement, ça avait dû plaire à Belgrade, puisque le plus grand, le grand, apparemment, le grand éditeur, le grand éditeur universitaire de Belgrade a traduit l'ouvrage. Vous voyez, il a été traduit nulle part à part ça. Voilà. Je disais donc que quand la Pologne a mené sa politique depuis 1990, vous voyez, j'étais en plein travaux sur le Vatican. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce sont les mêmes. Et Nak fait un rapport fabuleux de 1945. Il va discuter avec des Polonais, du gouvernement de Londres. Alors, c'est pas compliqué, hein. Vous verrez la similitude avec la situation d'aujourd'hui. Ils disent à qui veut l'entendre que c'est pas compliqué, il y aura demain une guerre contre la Russie, qu'on aura besoin des troupes polonaises, ça c'est neuf, ça vient de sortir, hein, parce qu'il faut voir les rapports des Français dans les années 1920 sur l'armée polonaise. Bon, je pense que tout le monde sait ici que si la Pologne a conquis les 200 km de la zone de Curzon, là, les 150 km, c'est quand même pas avec son armée, c'est avec l'armée française. De Végan, avec De Gaulle d'ailleurs, voilà. Donc, cette armée est nulle. D'ailleurs, les Français ont été vaincus en 48 heures, eux en 24 heures. Donc, avec les mêmes éléments de trahison sociale et nationale qu'en France. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Figurez-vous que quand j'ai fait mon ouvrage « Le choix de la défaite », je l'ai fait d'ailleurs sans contrat avec mon éditeur, parce que j'avais tellement envie de faire ce livre, bon, je me suis occupé de rien. Et puis un jour, je suis allé voir la responsable de l'époque de l'édition, et puis je lui ai dit, voilà, j'ai un livre, il est presque prêt, ça s'appelle « Le choix de la défaite ». Je lui ai expliqué, voilà, les classes dirigeantes qui choisissent la défaite. Alors, elle est un peu choquée, et je lui ai raconté l'histoire des classes dirigeantes polonaises. Eh bien, je lui ai dit, vous voyez les classes dirigeantes polonaises que je vous décris? C'est-à-dire l'aveuglement, la haine de classe, la haine raciste, la prétention, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et je lui ai dit, eh bien, ce qui est arrivé aux classes dirigeantes françaises, c'est la même chose. Elle a tout de suite compris, elle n'a plus discuté le titre. Et donc, quand, à partir des années 90, les Polonais, revenus au pouvoir, issus des mêmes familles que celles qui avaient livré la Pologne aux bourreaux, vous savez, les services de renseignement sont remarquablement faits, hein, et moi, avec les fonds de renseignement du Quai d'Orsay, et notamment d'ailleurs la série SDN, Société des Nations, qui est une série très riche, j'ai trouvé des documents, tous convergents, sur le fait que Beck avait des tonnes d'argent donné par Berlin. Beck trahissait son pays. Ce sont les mêmes, avec les mêmes chances d'échec. En plus, c'est un pays très fragile, qui a toujours été très fragile. En Pologne, vous aviez une classe dirigeante constituée de grands propriétaires fonciers qui s'étaient abouchés avec leurs occupants
pas tellement les Russes, hein, mais les Allemands et les Autrichiens, et qui, j'ai un texte de 1908 qui est un chef-d'œuvre du Quai d'Orsay, qui dit la chose suivante. Pour les grands propriétaires fonciers polonais, le soldat allemand ou le soldat autrichien vaut toujours mieux que le paysan ruthène, que le paysan ukrainien. Voilà. C'est-à-dire qu'il contrôlait des zones à l'est qui étaient des zones non polonaises, qui étaient haïs, d'ailleurs des paysans polonais aussi, et que ça faisait un pays très fragile, et que la Pologne est un pays très fragile, et que la Pologne est un rien. Si demain les États-Unis arrêtent le soutien à la Pologne n'est rien. On est exactement dans le cas de figure de la période antérieure, avec Nack qui dit, discutant avec eux, bon, ben demain il y aura la guerre avec... les États-Unis vont faire la guerre à la Pologne, tout va très bien se passer pour nous. Et Nack sort de là en disant, mais si les dirigeants polonais sont dans cet état de bêtise, personne ne peut rien pour eux. Bah oui, comme il était très intéressant pour les États-Unis de remettre aux affaires ceux qui avaient livré la Pologne à la destruction, parce que la Pologne a été quand même un des pays les plus martyrisés, hein, de 1939 à 1945. C'est aussi un pays plus que décimé. Hein. Bon, vous me direz, c'était les Juifs, en partie, ça ne la dérangeait pas, mais quand même. Hein. Mais vous avez tout à fait raison. On vit, c'est logique, parce qu'on a une continuité de classe, une continuité de dynastie. Et vous savez que ces dernières décennies, alors que c'était encore possible, même en France, on a tellement renoncé à accorder aux contraintes de classe, enfin aux réalités de classe, la part qui leur revient objectivement, parce que ce n'est pas Marx qui a inventé les classes et les luttes de classe. C'est l'histoire qui impose cette vision. On a donc, avec toute l'Europe orientale, qui, je le rappelle, a été le cordon sanitaire de l'entre-deux-guerres. Il suffisait de remettre aux affaires les dynasties qui avaient assuré cette ligne, dont, on ne le sait pas, les éléments se sont séparés en deux branches. Celles qui sont restées sur place et qui ont été largement embauchées dans les ambassades occidentales. Où est-ce que les Américains ont chauffé leurs futurs dirigeants ? En partie dans leurs ambassades. Et dont l'autre partie, vous le savez, appartenant à l'aristocratie, à la grande bourgeoisie, avait exporté des capitaux, sont allés s'installer aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc. Et sont revenus. Moi, j'ai eu une étudiante tchèque, c'est la seule étudiante qui est tentée de me faire des ennuis. Puis elle a tenté, hein, je peux vous dire. Hein? Sa famille avait été évincée économiquement par les communistes en Tchécoslovaquie. Avec la révolution de velours, sa famille était une très grosse famille de Prague. Avec ce qu'on a appelé la révolution de velours, eh bien, ces bonnes gens sont arrivés à Prague, ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient perdu.